En l'an de grâce 1453, le duc de Croy quitte ses terres de Sorre-Saint-Géry, qu'il vient de visiter, et regagne son château de Beaumont en Hainaut. Mais que se passe-t-il, cocher? Mais je ne sais pas, monseigneur. Mais garde, allez donc voir, s'il vous plaît, pourquoi la calèche ne veut plus avancer. Je crois que nous sommes embourbés, monseigneur. Eh bien alors, faites quelque chose. Nous n'allons pas rester plantés ici. Mais monseigneur, nous n'y arriverons pas. La calèche est embourbée, elle ne veut plus avancer. Oh là là, c'est pas possible! Mais, les amis, ça ne serait pas notre bon seigneur de Beaumont? Mais si, c'est lui! On dirait qu'ils sont en problème. Venez les gars, on va les aider. On a beau pousser, ça ne va pas! On ne va pas y arriver! Mais nous n'allons pas abandonner notre seigneur ici! Allez! Essayons encore une fois! Trouvons notre solution! Monseigneur, vous n'allez pas retourner à pied! J'ai une idée! Nous allons vous construire une litière! Hé les gars! Vous voyez, monseigneur, ils vont me reconduire jusqu'à votre château. Allez, les gars, en route. Je vous donne le titre de bourgeois stockard pour m'avoir aidé et porté jusqu'à mon château de Beaumont. Je vous fais bourgeois stockard de Sorre-Saint-Géry. Je vous fais bourgeois stockard de Sorre-Saint-Géry. Grâce à votre titre, vous aurez le droit d'emprunter gratuitement les routes m'appartenant. Vous aurez aussi le droit de vendre votre marchandise sur le marché sans me payer de taxes. Votre titre vous permettra aussi d'être exempt de nombreux autres impôts. Lors de la mort d'un bourgeois stockard, c'est sa descendance qui hérite du titre et des privilèges de la personne décédée. C'était ta bonne amie. Papa, je suis triste, mais je te promets de garder ton titre de bourgeois stockard. Aujourd'hui encore, certaines anciennes maisons de pierre possèdent des portes à écusson ou à fleurage. Mais regardez les gars! C'est l'ancien ancienne des bourgeois stockards. Inscrivez-vous et retrouvez toutes nos émissions sur notre site www.maclassefeusatelier.be.